retrouve pour un nouvel épisode, enfin un tout petit épisode sur Ragnamon. Alors je voulais juste faire le point avec vous. Donc j'ai eu pas mal de retours pour la cage à Wither là-bas. Donc on m'a dit que, enfin on m'a donné les blocs qu'il fallait utiliser pour pouvoir TP le Wither dedans. Je vous les marquerai à l'écran parce que là je les ai plus en tête. C'est vrai que j'avais pas pensé à vous en parler, mais voilà, je voulais faire un petit point avec vous sur Ragna, parce que comme vous avez pu le voir sur la chaîne, il y a une autre série modée qui est parue, donc avec Holtz, avec un livre de quêtes, etc., où en fait ben, le modpack sera beaucoup moins rushé que Ragna Mod, parce que là je suis déjà sur Avaritia, alors que normalement c'est le genre de mode qu'on fait vraiment en fin de jeu, parce qu'on a déjà beaucoup de ressources, etc. Et c'est à peu près le cas, hein. Maintenant il y a pas mal de ressources que je peux avoir un peu en illimité, on a toutes les machines qu'il faut, on a de l'énergie, en veux-tu, en voilà, donc c'est vrai qu'au final on a un peu trop rushé le mode, et enfin le mode pack, et du coup je vois plus trop l'intérêt en fait de jouer dessus, surtout qu'en plus enfin j'ai beaucoup perdu la motivation, surtout qu'en plus les copains ne viennent quasiment plus, enfin j'ai vu que ML faisait une autre série modée aussi, et que du coup il avait un peu laissé tomber Ragna, ce coup-ci c'est pareil, je crois qu'il y a Daft qui vient encore de temps en temps, Mila ne vient plus, enfin du coup je me retrouve un petit peu toute seule, et c'est vrai que c'est un peu moins intéressant je trouve, de pas avoir d'interaction entre les joueurs, etc. Du coup, voilà, je préfère laisser cette série. Peut-être que je reviendrai dessus plus tard, peut-être pas, je ne sais pas. Surtout que tous les mods que j'utilise sur ce modpack sont présents sur le modpack auquel je joue avec Holtz. Donc je pense que je migrerai là-bas, et si jamais je viens à arrêter la série avec Holtz et que on n'a pas fini et qu'on n'a pas vu tout Avaritia, tous les mods que je voulais finir, je pense que je reviendrai peut-être sur cette map si elle est encore là. Je sais pas, on verra. Sinon, par rapport à la dernière fois, je vais essayer de reprendre ma vue normale. Donc j'ai les petites machines là qui fonctionnent bien, hein. J'ai des pile of neutrons, donc j'en ai déjà récupéré deux stacks, donc un dans chaque. Donc je pense que pour augmenter la production, il aurait fallu que j'en fasse beaucoup plus, mais c'est les lingots de fer qui me manquaient. Donc j'ai bien mes petites abeilles qui farment du fer là-bas, et on a aussi les plantes. Donc on a les plantes là, les iron seeds qui nous donnent des iron essence, qui nous donnent des iron ore. Mais pour pouvoir faire cuire les iron ore, il me fallait, du moins pour les faire cuire en x5, il me manquait de la poudre à canon. Du coup j'ai fait un power spawner à creeper que j'ai mis là-dedans. Mais je sais pas, son système doit bugger un peu parce que les crushers ne fonctionnent plus. Donc je ne sais pas, il faudrait que je les tue à la main, mais c'est un peu galère. Du coup je ne sais pas trop. Donc je pense que je vais laisser ça de toute façon vu que je ne reviendrai plus tout de suite, du moins. Je vais désactiver un peu tous les chunk loaders que on avait sur le serveur. Je crois que j'en avais mis un là, donc je vais l'enlever. Hop. Donc lui, je vais l'enlever. Je vais enlever un peu tous les chunk loaders que j'ai un peu partout. Comme ça fera pas trop laguer le serveur, parce que c'est le genre de trucs qui font bien bien laguer. Je crois que j'en avais un là-bas derrière aussi. Du coup, j'ai continué un peu le mur de Mila, hein, parce que je me suis dit, si elle revient pas, c'est dommage de pas continuer ce mur, mais il manquait un peu de marbre, donc il faudrait que j'y retourne. Donc j'en avais un là, et je dois en avoir un aux abeilles. On va y aller. Comme ça, hop. Donc là, je dois en avoir un en dessous. Hop. Voilà. Nickel. Donc ouais, tout ça, je pense qu'on refera un petit peu dans Clintholz Adventure, hein, comme je vous l'ai dit. Parce que bah, tout ça y sera. Hein. J'ai vu que les mods y étaient, même Gendustry. Donc, mais le truc, c'est qu'on les utilisera beaucoup plus tard. On va beaucoup moins rusher le mod pack. Parce que ça, je vous rappelle, j'ai pu le faire dès le départ. Hein. On a pu le faire dès le départ. Surtout qu'on est arrivé après FTP. Du coup, tout ce qu'on avait sur FTP, on l'a refait ici en mode ultra rushé. Donc, c'est vrai qu'au final, on n'est pas allé tranquillou, un peu comme on fait sur Clintholz Adventure. Parce que là, comme vous avez pu voir, on a commencé avec Tinkers. Du coup, il va falloir commencer à se faire des outils avec Tinkers, des vrais outils. Alors que là, on avait pu se faire l'Atomic Disassembler dès le départ. Là, les machines avec l'énergie, etc., on ne pourra pas les faire tout de suite. Tout de suite, donc il va nous falloir quelques autres trucs avant.
Donc c'est vrai que c'est quand même un peu plus intéressant, je trouve. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de le dire aussi. Je comprendrai, mais voilà, en plus, c'est une série qui me prend du temps, honnêtement, parce que ben, même si on a les ressources, en veux-tu, en voilà, il faut quand même faire pas mal d'AFK, pas mal de farm. Ça reste une série Minecraft, hein, en survie, donc ça demande quand même pas mal de farm, pas mal d'AFK. Et donc ça me prend du temps, et ce temps, malheureusement, je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas, parce que bah, j'ai quelques travaux en infographie qui me demandent un petit peu de temps aussi. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps à accorder aux grosses séries comme ça, qui demandent pas mal de temps. Donc voilà, du coup j'espère que vous m'en voudrez pas trop. De toute façon, il y aura encore du modé sur la chaîne, hein, vu qu'il y a la série Clintons Adventure. Donc voilà, le modé n'est pas terminé, mais voilà, pour cette série-là, je pense que je vais la mettre en grosse, grosse pause, ou même carrément l'arrêter, je ne sais pas trop, on verra. Je parle pas de l'arrêter parce que je ne sais pas si je reviendrai ou pas, donc on verra. Donc voilà, sur ce, ben, j'espère quand même que vous aurez apprécié la vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu ou un commentaire. Si ça vous a pas plu, laissez un petit pouce rouge et un commentaire pour me dire pourquoi. Et j'y répondrai très très vite. Donc sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!